Pas dans toi. Ok, Nets ou Pesta Nets, professeur de danse, chorégraphe, danseur, salsa, foot cubain, claquette, créateur du concept Caraïbe Tap. Et beaucoup de choses. Soul Eaters. Soul Eaters. Voilà. Qui a créé Soul Eaters? C'est moi. Moi, il y a pour le pour la première édition du Battle The King. On était quatre à l'époque, Cathy et Mike et Curtis. Aujourd'hui, il y a Abdel. Aujourd'hui, il y a Abdel. Aujourd'hui, il y a Ali House de Lyon. Aujourd'hui, il y a Kev de Inestime. Je vois. Et Ilyes. Ilyes. Est-ce qu'il va y avoir un jour un show Soul Eaters? C'est prévu. Une compagnie, non? Pour l'instant, c'est plus battle. Pour l'instant, c'est plus battle. Après, l'intention est là et ça se fera quand il sera temps de le faire bien. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il reste beaucoup de familles en house en France? En France, ça se perd. Ça se perd. On devient rare. Et surtout, il y a beaucoup d'équipes de deux qui viennent de partout, qui sont très bien, hein. Mais je ne sais pas réellement pourquoi il n'y a pas de famille qui se crée, il n'y a pas de ce côté fédérateur de on représente un nom, on représente un t-shirt, on représente une identité, on crée notre style et on essaye de renverser ce qu'il y a déjà là-haut, quoi. Ah, un peu le même état d'esprit qu'en break, quoi. Tu crées une team et tu veux... Ouais, un peu comme Gravity Zero quand ça s'est créé au départ. Gravity Zero. Avec un état d'esprit un peu spécial. Ouais, c'est ça. Ok, et toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveaux houseurs ou est-ce qu'il y a des houseurs que t'aimes bien aujourd'hui? Alors, à l'international ou en France? France. France. J'aime beaucoup Audrey de Rouen. J'aime beaucoup... Audrey, c'est Battle Instant, c'est ça? Ouais, exact. Exact. Je trouve que, je l'ai déjà dit, hein, je trouve qu'elle a un truc vraiment particulier. J'aime bien ce que fait Bidao aussi. Sarah Bidao? Sarah Bidao. Elle a gagné un battle en plus, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'aime bien ce qu'elle fait. Mademoiselle de Toulouse. Yes. Parce que c'est une nordiste, la base. C'est ça, de Lille. Après, il y a plein de gens qui essayent de monter, mais soit ils abandonnent, soit ils se retrouvent dans des crews. Après, je trouve que, comment elle s'appelle, Nadia, elle devient vraiment de plus en plus balèze. Nadia s'appelle? Nadia de Paradoxal. Ok, ouais. Qui devient de plus en plus balèze. Odile aussi, dernièrement. Odile, ouais. Odile, ça fait un petit moment qu'elle s'est fait son blast, je trouve. Mais ouais, qui vraiment sont en train d'émerger. Mais là, t'as mis que des filles. Bah, les gars, clairement. Ah voilà, c'est ça qui. Ça se fait rare. Après, bon, bah ouais, si je dois parler de mon crew, forcément, oui. Bah, on est que des mecs. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de creuser un truc petit à petit. Y a pas de cum fort en France qu'on trouve. Bah, qui viennent de débarquer, non, quoi. Non, après, non. Notre génération, j'ai l'impression que c'est pas que c'est la dernière, mais. Voilà, la génération, moi, Kurt, Abdel, Steve Baby Bash, Cantyman. Ouais, voilà, on est là depuis Raza qui est fort. Voilà, j'ai l'impression que après nous, il y a surtout des filles qui sont en train de. Je vois. Qui sont en train de débarquer. Après, il y a beaucoup de crews de filles aussi. Pourquoi il y a des crews de filles qui sont. Pourquoi les grands font des crews de femmes aussi, hein? Tu veux dire pourquoi les grands deviennent mentors de crews de filles? C'est ça. Un peu comme Baba avec Paradoxal. Il et... y a Projet 8.0, il y a... mince, qui est super bon. Je crois que c'est Avoc. Avoc. Alors après, sans critiquer leur choix, hein, mais c'est juste que bah, pour le coup, ça manque de crews. Il y a des mecs. Ah, ici, il y a Genki Dama. Il y a Genki Dama et je pense que s'il continue à bosser, ça va pouvoir faire un truc un peu dangereux. Mais pour l'instant, on les voit pas encore trop. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens en ce moment dans le hip-hop qui montent, mis à part la house? Dans le hip-hop? Alors, j'avoue que je... Te parle break, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens que t'as remarqué dernièrement qui t'ont plu? Pac-Pac. Violent. Ultra violent en break. Franchement, c'est... Le mec que je vais regarder en vidéo et qui me fait kiffer,
Ok. T'entends Backpack, il va être content. Ouais, non, mais grave, c'est vraiment violent. On a déjà échangé une fois et c'était cool. Après, je regrette quand Locking n'est pas plus de gens. Nouvelle génération forte. Ouais, il y a une génération qui est arrivée là, pareil. Funky Chi, Cantyman, Samir, Carambar. Pas le clash, mais on va dire la rencontre, même si c'est pas vraiment le mot. Au cercle. Ouais, au cercle. Bah, franchement, après, je le connais pas tant que ça, mais j'ai rien contre lui. Hein. Mais pour une fois, j'étais content de voir que Pilote, il était en danger. Ouais. Ça m'a fait du bien de me dire, enfin, l'indétrônable commence à. Mais t'as vu quand même qu'il pose ses couilles sur la table. Et, ouais, il allait tout seul, il se mettait en face de quelqu'un, il y allait. C'est ça. Et dans d'autres temps, ça manque. Ouais. Ça des manque. Gens qui ont des noms et qui posent leurs couilles sur la table. Qui posent leurs couilles sur la table et qui. Où on sent que si nous on est des petits et qu'on va les défier, on va pas après se prendre des phrases du genre ouais, tu manques de respect ou quoi. C'est juste. Des fois, on aurait envie de pouvoir défier un cran juste parce que ça nous fait kiffer et qu'on a envie d'aller se taper, quoi. D'accord, mais alors si demain, tu avais la possibilité de défier un grand, est-ce qu'il y a un nom... J'attendais trop cette question. Évidemment. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, le jour où tu te sentiras vraiment prêt, tu dis, bon allez, moi je vais faire une affiche avec ce mec-là. Pour ton kiff personnel. Franchement... Moi je pense savoir qui. Ah ouais. Ah, il n'y en a pas qu'un pourtant. J'avais deux noms dans ma tête, mais bon. Yuxon. Exactement ce que j'allais dire. J'ai failli dire Yuxon et Baba. Yuxon. Baba, ça fait un petit moment que je le vois moins. Après, je suis peut-être pas trop son actualité. Il est beaucoup en live streaming sur Facebook en ce moment. Bah écoute. Où il éduque les gens. Bah c'est bien que tu fasses l'éducation des gens. Mais pour le coup, why not? Après, non, il y en a d'autres. Il y a. Pour le kiff, type, parce que type pour moi c'est une légende. Mmh. Mich, parce que je pense que j'apprendrai beaucoup. Après, j'irai chercher à l'étranger des gens comme Vesti, même si c'est mon pote. Vesti de Londres. Ouais. Vesti. Non, il y a plein de gens. Après, le truc, c'est que je trouve que la nouvelle génération qui frappe vraiment, elle est à l'étranger. En nous considérant dedans, hein, je trouve que là, l'étranger, il nous fait mal. Est-ce que. Vas-y, continue, je vais me poser, vas-y. Entre Santal japonais qui nous a fait mal au dernier cercle. Il était relou lui. Oh putain. Et il n'a que 17 ans. Entre Frankie Jay, que j'ai vu en 2 ans devenir un mec super balèze. Entre comment il s'appelle de Hollande aussi là. Son prénom m'échappe là. Wesley. Wesley, c'est celui qui monte chez eux. Wesley. Celui qui fait partie des X-Gen, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. X-Gen. C'est X-Gen, X-Gen, ouais. Un truc comme ça, ouais. Comme ça. Pour moi, c'est le petit à Vesti. Ouais. Il est super fort. Il est super fort. Vraiment, c'est. Eh ben, Vesti va être content. Ouais, non, mais il a raison d'être content. Franchement. J'attends le jour où on va se retrouver face à face, c'est cool. D'accord. Merde, j'avais une question à poser. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la house? Ce qui me dérange. Alors, j'ai un peu changé d'avis sur pas mal de trucs. Avant, je faisais partie d'un peu cette génération qui critiquait les crews qui sont en place. Comme Serial Stepper à Comedy. Notamment Serial Stepper. Je critiquais beaucoup, sans vouloir leur cacher ou quoi. Je pense qu'ils le savaient. Maintenant. J'essaye juste d'avoir une mentalité un peu plus positive et de me dire bah s'ils sont là c'est qu'ils ont bossé pour y être. Et que si on en a marre qu'ils soient là, on a qu'à bosser pour être là. Faut les dégager. Faut les dégager. Et les dégager en danse. Voilà, les dégager en Donc danse. Donc faut bosser. Et que pour l'instant, on a juste à bosser et que au contraire, qu'ils restent à leur place pour qu'on puisse y arriver. Voilà. Mais ça je trouve. Et que justement, ça manque de mecs qu'on les coronesse de se dire bah un jour je vais être à leur place. Ça manque. Je trouve qu'il y a trop de gens qui se plaignent, mais personne qui bosse pour. Ça, voilà. Ça manque de guerriers en fait. Ça manque de guerriers, des gens comme nous, des gens comme. Je pense à. Qui bosse avec. Avec Bruno Marignan. Son prénom va me revenir. Mais. Tu vois, je trouve que. Ça manque de guerriers.
ça manque de guerriers, il y en a quelques-uns. T'as, il y a mince, celui de Gravity Zero là. T'as il est Fabou. Fabou, ouais. Toi, on le voit jamais, Fabou. Ouais, mais quand il est là, il est très j'ai mal. Croisé que deux fois dans ma vie, moi. Ouais, mais il est violent. Je le vois jamais. Il ah, c'est violent. Sûr qu'il est pas mauvais, mais voilà, on aimerait le voir plus. C'est un guerrier. Alors que c'est le genre de mec, quand il se retrouve face à des grands blazes, on dit ouh, ça va être chaud. Là, on dit ouh. Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui ont ramené quelque chose dans la house? Quelque chose de nouveau. Ouais, ces cinq dernières années, disons. Ces cinq dernières années. Bah, surtout des femmes, quoi. Surtout des femmes qui ont ramené une autre subtilité, un autre feeling. Marie-Kay, Rubia, Alessia, qui a fait du bien. Marie-Kay, c'est qui a gagné cette année le summer. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le summer. Ouais, non, je trouve qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont ramené des trucs. Et je trouve que la génération JD School, elle est en train de commencer à faire mal un peu. Et ah bah t'as vu les profs aussi, derrière. Du blaze derrière aussi. Hein. Ouais, voilà, nous on n'a pas cette chance, mais c'est bien qu'ils en profitent. C'est ça, et est-ce que tu trouves que la house, elle est respectée au sein des événements? Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que les gens qui organisent et qui mettent de la house dedans, alors, est-ce qu'ils le font avec le respect pour la house ou c'est juste un contexte de plus? Bah, ça commence à venir quoi. Bon, on n'est pas aussi peu respecté que le dancehall dans des événements comme le JD où ils se sont retrouvés en bas d'un escalier. Ouais, ça va, c'est mieux qu'avant. Mieux qu'avant où on était relégué un peu à le truc qui embête tout le monde, mais bon, comme on a 2-3 potes qui en font, on met un événement quoi. Ça commence à aller, commence à y avoir un peu plus d'événements où il y a de la house déjà. Maintenant, il manque de la house dans les All Style. Parce que maintenant, tu te pointes dans un All Style, on te met du son crump, du son hip-hop. Il y a Nothing Toulouse. Nothing Toulouse. Ouais, il y a de la house. Et Make Your Choice aussi, il y a de la house. Ouais. Il semble que les deux, il y a de la house. Ça, c'est bien. Ça, c'est des vrais All Style. Là où il y a du son pour les lockers, il y a du son, il y a pour tout. Il y a beaucoup de old style, vous savez. Que du hip-hop. On te dit, ouais, tu peux venir, hein, mais tu vas danser sur du son hip-hop. Cool, mais je veux aussi que les danseurs hip-hop, ils dansent sur la house. Pourquoi les house dancers devraient s'adapter et pas les danseurs hip-hop? Alors certes, le hip-hop rapporte plus d'argent, parce qu'il y a plus de gens qui payent l'inscription. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Moins vous ferez des trucs pour nous, bah moins il y aura de gens. Voilà. Et aussi, je trouve que les house dancers, on va pas assez en club. Quand on va en club, il n'y a pas assez de tous les mecs qu'on voit en battle, là. On ne se croise pas en club. Le June, il y a des putains de soirées. Le Rex Club, il y a des putains de soirées. Il y a plein d'autres endroits où il y a des putains de soirées. Il faut suivre des gens comme Poincaré et tout ça, là. Voilà, qui font des vrais trucs. Poincaré, DJ Tijo Aimé. Tijo, il y a Christian. Ouais. Tu commences à faire des mixtapes qui sont vraiment bien. Et il y a aussi les soirées de Hudson. Ouais, je suis pas encore allé. House for Hip Hop. Faut que j'aille voir. Mais il y a plein de soirées. Et on voit pas les mecs. On voit pas les mecs. Quand on va en soirée, c'est le dessert. Genre, c'est les préparations pour les battles. La house à la base. Ouais, c'est plus clubbing, tout le monde danse, tranquille. Ouais, tu vas clubber et en battle, on se tape. Mais on se tape pas en club et en battle, on fait les gentils, quoi. C'est okay. Un peu le monde à l'envers. Le mot de la fin, ça serait On va devenir de plus en plus relou. Mais si ça vous fait chier, ça me fait plaisir. Ok, bah je te remercie. Peace.